Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nino Vinyl. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale acquisition et retour de brocante. Bonjour à tous les amis, alors bienvenue sur la chaîne Nino Vinyl. On est ravis de vous retrouver comme d'habitude. Alors aujourd'hui, il y aura un retour de brocante. Hein. La brocante qu'on a fait sur le week-end de la Pentecôte. Donc c'est tout récent, c'est tout frais. Et puis bien évidemment, il y aura aussi les acquisitions comme d'habitude. On a pas mal de supports à présenter aussi. Hein. David va vous expliquer tout ça en détail. Bonjour à tous. Oui, donc retour de brocante qu'on a effectué donc le dimanche et le lundi de la Pentecôte, là, le week-end dernier. Donc on va vous présenter, puis il y aura un petit peu d'Emmaüs aussi, donc bon, voilà, on l'a regroupé ensemble. Des 45 tours, des CD, des DVD. Il y a beaucoup de choses. Blu-ray. Et puis après on fera quelques acquisitions, qui viennent aussi beaucoup des brocantes aussi, donc bon. Tout sera regroupé au moment voulu, ne vous inquiétez pas. On va commencer par un petit lot. Lino va vous présenter un petit lot de 45 tours qu'on a eu à Emmaüs. Alors, je vais... Vas-y. C'est Billy Preston avec Hop. Ça, c'est... Ça, c'est super, hein. Titre de Billy Preston, Hop. Très bon titre. C'est de la Motone. Voilà. Pas fréquent, hein. Macaron, c'est la Motone. Voilà, c'est très bon 45 tours. Alors, celui-là, c'est Lino... C'est un 4 titres de France Gall, mais il y a le titre, le fameux titre de Serge Gainsbourg. Les sucettes, voilà. Un incontournable. C'est un incontournable. Celui que j'avais pas de France Gall, celui qui me manquait. Pas facile. Super de l'avoir trouvé. Pas facile à trouver celui-là. Très très bien. J'aime beaucoup France Gall. Voilà, chez Philippe. Alors, le suivant, bon, celui-là, il n'est pas en très bon état. Ils sont moins mince que la dernière fois. Hein. Là, c'est plutôt du. Ah bah oui. Voilà. Mince. Mais bon, enfin, c'est un 45 tours de statu quo. Voilà, Picture of Matchsticks Man. Pas facile à dire. Pas facile à dire, voilà. Bon, 45 tours, statu quo, c'est très bon. Alors là, c'est pareil, c'est l'Innovasic, c'est un Cat Stevens. Sad Lizza. Voilà, très Cat connu. Cat Stevens. Hein. Très connu ce titre, hein. Tout le monde connaît hein, ce titre. Sad Lizza de Cat Stevens. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est après? Ensuite, c'est une BO. Ah, oui, c'est la BO du film Macadam Cowboy. Everybody Talking. On l'avait en CD en BO, on l'a présenté il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai le petit CD de la BO de Macadam Cowboy. Voilà. Sympa aussi, ça. Hein, une petite BO, là. Voilà. En 45 tours. Là, c'est. C'est mon enfance. Toute notre enfance, oui, voilà. Les Cités d'or. Ah, bah oui. Ça, c'était un de mes dessins animés que. 1980. Que j'adorais, quoi, ça. Toi aussi, je crois. Cité d'or, hein, c'est pareil. Hein. Ah ouais. Celui-ci aussi, d'ailleurs. Celui-ci aussi, ouais. C'est vrai que celui-là, c'est le tour du monde en 80 jours. Voilà. Voilà, le dessin animé. Bon état, hein, aussi, je vois quand même. Hein. C'est carré. Hein. Pour des 45 tours d'enfants. Et le dernier, qu'on a eu à Emmaüs, donc c'est la leçon particulière. De Francis Lay. Voilà, de musique de Francis Lay, oui, voilà. D'accord. Film de Michel Boiron. Avec Nathalie Delon. Avec Nathalie Delon, oui, voilà. Il y a Robert Hossein aussi dans ce film. Un petit peu de BO, donc, en 45 tours. Hein. Ensuite, bon, on va passer aux 45 tours qu'on a trouvé donc, sur les fameuses brocantes du dimanche et lundi. On a tout rassemblé. Hein. Alors, sur un stand, c'est pareil. On a trouvé deux 45 tours pour 1 euro, donc 50 centimes. Le petit 45 tours. Oui, il y a encore du statu quo. Ouais, voilà, c'est un 45 tours aussi de statu quo. Que j'avais pas celui-là. Non, on l'avait pas celui-là. C'est Something About You, Baby I Like. Voilà. J'en ai beaucoup des 45 tours de statu quo. Voilà. T'en as pas mal, hein, Lino. Ouais, j'en ai au moins 4, 5, 6. Et le deuxième, c'est pas de Benatar. You Better Run. C'est mon premier de pas de Benatar. Mais c'est pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas très courant. Les... Ouais. On trouve plus facilement des vinyles de Pat Benatar, des 33 tours, que des petits 45 tours. Alors après, sur un autre stand, j'ai eu 3 45 tours pour 2 euros. Là, il y a des beaux petits 45 tours aussi, c'est pareil. Pas très courant. Pas très courant. Un Peter Gabriel. Oui, Digging in the... Il est connu ce titre-là. En l'écoutant, je me suis dit, ah oui, c'est celui-ci. Ouais, voilà, très connu. C'est mon premier aussi de Peter Gabriel que j'ai aussi celui-là. Très très bien ça. Oh, non, on en a quelques-uns. On a sur l'album So, on en a beaucoup. Ah ouais. Alors là, Carole était très contente. Ah bah oui, je n'avais jamais vu celui-ci. C'est pas très courant non plus, c'est toi du MC Solar avec le titre Caroline. Très beau texte, hein, cette chanson-là. Oui, voilà. J'aime bien cette période-là d'MC Solar. Moi.
très bon album aussi. En cassette. Ouais, et un petit 45 tours de Elton John. Voilà. Qui est le titre? Club of the End of the Suite. Voilà. Voilà, tiré de l'album qu'on a d'ailleurs. C'est, l'album c'est Sleeping with the... With the Past. Voilà, Sleeping with the Past, l'album de Elton John. Voilà. J'en ai beaucoup aussi des 45 tours. Des 45 tours d'Elton John. Celui-là par contre il est nickel. Hein. Mint. Mint. Voilà. Alors, le dernier lot. Alors là c'était le petit lot magique des 45 tours parce que on était donc sur une brocante et il y a une dame qui demandait donc c'est des 45 tours dans un bac. Mais bon, le premier 45 tours qu'on voyait c'était un Carlos. Après, il y avait du Dalida, du Sheila, enfin vraiment du très classique. Et puis en continuant, on a trouvé des merveilles. Et puis la dame nous disait qu'elle avait récupéré, disons, un lot d'une personne qu'elle connaissait pour vendre sur la brocante. Et dedans, il y avait des trucs magnifiques. Et comme quoi, ça valait le coup d'approfondir. Et 50 centimes, hein. J'en ai 11, elle m'a fait le tout pour 5 euros. Et 5 euros, c'est... Alors, Lino. Un petit 45 tours de Ten Year After. Voilà. I'm coming home. Voilà. Alors ça, c'est super, hein. Ten Year After, 45 tours. J'en avais déjà quelques-uns, mais celui-là, je ne l'avais pas. I'm coming home. Voilà, génial. Ensuite, il y a le 45 tours du groupe Résonance avec le Yellow Train. Ça, c'est excellent aussi. Hein. Ça, OK musique, Chicago. Yellow Train. Ouais. Yellow Train et OK Chicago. Et les deux titres sont bons. C'est pour ça que je dis, parce que vraiment, c'est terrible ça. Résonance, ça. C'est la musique de Chicago, un peu les gangsters, et tout, c'est sympa. Ensuite, un groupe The Peepers, Doctor Music. Ça, c'est pareil, c'est assez connu. Alors, il y a Super Chief avec Animal Woman. 70, ça, non? Ah oui, c'est dans les années 70. La pochette un peu... aussi. Là. Voilà, elle a vécu, oui. Hein, la pochette. Hein. Mais bon, je l'ai pris quand même parce que c'est un super titre. Animal Woman, c'est ça? Oui, Animal Woman. Voilà. Alors là, on va arriver sur il y a quelques petites bombes là, qui arrivent. Alors, notamment celui-là, c'est un Jethro Tull avec le titre Locomotive Breath. On l'a sur un album, ce titre. Là, j'ai sur l'album Aqualung. Ça me dit quelque chose. Jethro Tull. Ce titre-là, il est excellent. Mmh. Vraiment. Locomotive Bright Jethro Tull. Là, c'est pareil. Ah, bah oui, là. Un petit Led Zepp. Alors, ça se refuse, pas One Lotta Love. Ah, bah oui. Qui figure, je crois, sur le deuxième album de Led Zeppelin. Oh, quel titre. Voilà. Bon, il y a quelques petites écritures. Hein. Bon, bah ça. C'est pas du. Mais enfin, je suis content d'avoir trouvé quand même Led Zeppelin. Voilà, ça c'est chez Atlantique. Ensuite, il y a un Elton John et Yoko Ono avec le titre que Carole aime beaucoup, Mother. Apple. John Lennon. Et Yoko Ono, hein, avec le titre Mother et le titre Why de Yoko Ono. Un titre de John Lennon, un titre de Yoko Ono. Voilà. Ensuite, une petite BO. D'un film que j'aime beaucoup, hein, L'Arnaque. Voilà. En 1973, date. Ouais, avec Paul Newman. Oscar en 74. Hein, Paul Newman et Robert Redford, entre autres. Voilà, avec un joli petit macaron aussi. Voilà. 74, ouais. Oscar de la musique de film aux USA. Voilà, un petit macaron. Ensuite, il y a un 45 tours d'une BO aussi, Inhibition, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Dirigé par Guido et Mauricio De Angelis. J'ai pas vu ce film-là. Non, ça moi me non dit plus. Rien, ça me parle pas. Mais bon, la pochette était sympa. Mm. Et puis. Chez Barclay. Bon, voilà. Chez Barclay, oui, voilà. Il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Alors là, c'est pareil. Un petit bac comme ça. Vous voyez, à 50 centimes, un petit. Jimi Hendrix, voilà, avec le titre Easy Rider, pas confondre avec le film, hein. Voilà, Barclay, oui. Et en titre, en deuxième titre, Drafting, voilà. Drafting, ouais. Voilà, Jimi Hendrix, bon, il y a quelques petites écritures, hein, sur les, mais enfin, c'est pas bien méchant, c'est pas méchant, c'est discret, ça reste discret, et un 45 tours d'un groupe, MC5, c'est pas courant non plus ça,
King voilà. House the Jams, pardon, oui, voilà. Je connais pas, moi, non. Voilà. Bon, ça, c'est du rock, hein. Voilà. Ça, c'est excellent. Voilà le petit lot, donc 11 petits 45 tours pour 5 euros. Un beau petit lot de 45 tours. Un beau petit lot, oui, voilà, même gars qui sont pas en état, en super état, mais bon, les 45 tours, ils se passent nickel, on les a écoutés, nos soucis. Alors, ensuite, on a trouvé un coffret DVD et quelques Blu-ray, donc sur la brocante, c'est pareil. Alors, on a le coffret Freddy, les 7 films de Freddy. L'intégrale. Voilà, hein. L'intégrale, tout simplement. Je suis super contente. Voilà, coffret 7 films. Bah, du coup, je vais garder le coffret. Et puis. Oui, voilà, on avait quelques DVD de Freddy. Et du coup, je les avais en DVD, mais j'avais pas le coffret. Donc, du coup, je vais garder le format coffret. Et puis, ouais. Voilà. Donc, il y a les 7 Freddy. Hein. Alors, ça, 5 euros. Hein, 5 euros. Sur la brocante. En bon état, rien à dire. Ouais, dame, elle faisait à 7, elle nous a baissé à 5. Bon, c'est sympa. Et puis. Alors, Lino a trouvé un petit Blu-ray d'un Walt Disney. En plus, le numéro, il est écrit dessus. Oui. C'est un vieux Disney, celui-là. C'est Dumbo. Dumbo, 50 centimes. Donc, Lino l'a pris. Oui, voilà. Ça remplacera. Il l'avait en DVD, donc ça remplacera son DVD. Il rentre dans la collection, Lino, ouais. Celui-ci. Dans les Disney. Elle avait beaucoup de Disney, la dame, et il y avait que ce Blu-ray-là. Ouais, elle avait, oui, en Blu-ray, ouais. Avec celui-là. Ouais, du coup, j'ai pris celui-là, Dumbo. Ouais. Voilà. Après, on a trouvé sur un autre stand deux autres Blu-ray à 1 euro pièce. Le tout dernier film de Burton, je crois, hein, ou un des derniers. Dumbo, tiens, c'est en film, ce coup-là, ouais. De Tim Burton. En Blu-ray. Je pense que c'est un des derniers, ouais. À confirmer. Ouais. J'ai un doute. Il date de 2019, celui-là, je crois. Ouais, il est pas vieux, hein. Non, il est récent, celui-ci. Hein. Voilà. Alors, un film aussi, un réalisateur qu'on aime beaucoup. Voilà. Ah, Darren Aronofsky. Ah, oui. Avec Pi, c'est ça, hein. Ouais. Ouais, moi je suis une inconditionnelle des films de Darren Aronofsky. Voilà, notamment Requiem for a Dream. Bah, Black Swan aussi que j'avais vu aussi. Black Swan aussi. Il y a aussi, pas que celui-là, il y a le Catcher aussi, il y avait pas le Catcher. Le Catcher avec Mickey Rourke. Ouais, voilà, si c'est ça, ouais, c'est le même réalisateur. Requiem for a Dream, je crois que tu l'as dit aussi. Ouais, Requiem for a Dream. Très très bien, en Blu-ray, bon bah voilà. Voilà. Ça se laisse pas. Hein. Moi j'ai pas vu ce film. Toi tu l'as vu par contre. ensuite, un Steelbooks. Ouais. Un beau Steelbooks, un super film. D'ailleurs, un film qu'on recherche la BO, mais qui est encore un peu trop cher. J'attends que ça baisse. Je pense que ça vous parle, hein. Bien évidemment, voilà. C'est Drive. C'est Drive. Pour 2 euros, on a eu donc le Steelbooks de Drive. Nicolas Wendig Refn. Voilà, il faut se dire. Drive. Voilà. Le Blu-ray, le DVD. Hop, super. Ça rentre dans la collection. On avait le DVD, donc comme ça. Voilà, on est content. Voilà, maintenant on va passer au CD. Alors, maintenant c'est la partie CD. Alors, les CD qu'on a récupérés, j'ai fait deux temps. Hein, une partie qu'on a récupérée donc à Emmaüs et l'autre de la place sur les brocantes. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors là, un petit CD d'Alain Souchon, Ultra Moderne Solitude. Alors, les titres à peu près. Ah là, il y a surtout la. Bah, Cadors qui est très connu. Ouais, il y a Quand je serai KO. Il y a Ultra Moderne Solitude, le titre de l'album, qui est vraiment un super titre aussi. Hein. Puis d'autres titres. Hein. Vous avez 10 titres de 1988. On ne l'avait pas. On en a plusieurs d'Alain Souchon, mais celui-là, on ne l'avait pas. Lino a trouvé Sarah Emmaüs. Là, ça, c'est super. C'est deux best-of. Deux best-of, oui, un best-of de Berger et un best-of de France Gall. Alors, ça se présente comme ça. Ouais, c'est un petit. C'est joliment présenté, en tout cas. Voilà, France Gall. Tu as l'album, il me semble. Non, c'est une compil qui est ressortie sous ce. J'ai pas en vinyle. Sous cette pochette-là, ça me revient. Là aussi, je l'ai pas en vinyle. Voilà, Michel Berger, donc, et France Gall. Très bon état. Voilà, avec un petit boîtier pour les mettre dedans. Nickel. Content. Voilà. Alors là, c'est. Oui, bah là, c'est pareil. Moi, je suis hyper content d'avoir trouvé ça aussi. C'est un live de Peter Gabriel. Le live Secret World Live. Secret World Live, oui, c'est ça, avec l'accent. 93, un live de 93 enregistré en Italie à Modène. Voilà, il y a donc deux CD, un double album. Avec les petits trousseaux. Hop, si on voit bien, c'est comme ça un peu. Bon, ben voilà, très bon live. Peter Gabriel, j'adore. Alors là, c'est une bande originale que j'ai trouvé ça donc à Emmaüs. Donc, les Grands Canyons. Je connais pas du tout ce film, mais je l'ai pris parce que bon. Bon, donc, j'ai à découvrir, voilà. Grand Canyon. Voilà.
après, on a une compilation de funk et fusion, du jazz, funk, fusion. Ça, c'est sympa, on l'a écouté par contre celui-là. Ça, c'est vraiment bien. Alors, vous avez du. J'ai vu qu'il y avait du Herbie Hancock dessus, par exemple. Voilà, enfin, des super. Hop, on va un peu au dos. Comme ça. Carole, là. Bah, c'est un unplugged de Bob Dylan. Hein. Unplugged de Bob Dylan. On n'avait pas. On n'avait pas d'unplugged de Bob Dylan. Voilà. Non, non, on n'avait pas celui-là. Pourtant, on en a beaucoup, hein, voilà. Des Bob Dylan. Bon, bah voilà, vous avez 12 titres. Bon, bah, des grands classiques, hein. Ah bah oui, Tombstone Blues, très connu aussi, je vois. Like a Rolling Stone, Knocking on Heaven's Door. Bon, voilà. Ça, car on l'aime beaucoup aussi, alors, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Deep Forest. Deep Forest, on avait déjà... On avait quelques CD, oui. 95, je crois. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Oui, voilà. Que je, j'écoute. Moi non plus. Personnellement, il faut que j'écoute. Bon, hein, c'est dans la même lignée que ce, que je, ce qu'on a déjà. Ouais, c'est je pense qu'on va apprécier. Hein. Ouais. Là, c'est 92. On n'est pas loin. On n'est pas loin, non. Ouais, 92. 90. C'est sympa. Et pour finir, un petit best-of de Billy Paul. The Very Best-of. Voilà. Un best-of. Oui, c'est un best-of. 15 titres de Billy Paul. Je n'avais rien. Billy Paul, comme ça, un best-of, c'est très bien. Voilà. Voilà. Pour les... Alors... Ah, il y en a encore. Oui, ça, c'est ce qu'on a trouvé donc à Emmaüs. Et là, sur la brocante. Ah, j'ai plus de place, moi. Sur la ouais, ça va. On va envoyer la table. Alors là, c'est une BO. Alors dans l'instant, 1 euro, je l'ai payé. Parce que je suis hyper content de la retrouver parce que c'est la suite de In the Mood for Love, la BO qu'on a donc en CD aussi. Et là, c'est la mort, c'est la suite. Si vous avez du Brian Ferry, du Nat King Cole dessus, et puis des scores aussi, un mélange, 19 petits morceaux dessus. Voilà. Le film est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, voilà. Wong Kar-wai. Ouais, voilà, donc, c'est la suite, voilà, c'est la même, mais c'est marqué juste mort, là, en dessous. Et sur un autre stand, alors là, j'ai trouvé un stand avec toute la musique que j'aime. Hein. Et voilà, c'est, j'ai eu 11 CD pour 10 euros. Et vous allez voir, il y a des trucs super sympas, en commençant par Lino. Isaac Hayes. Voilà, un best-of de Isaac Hayes. Ça, c'est... C'est une tuerie, ouais. Génial. Ensuite, Lino. Stevie Wonder in Square Circle. Voilà, donc ça, c'est un petit album de Stevie Wonder. Je décolle un petit peu, voilà. Qu'on n'avait pas en vinyle, parce qu'on en a beaucoup en vinyle de Stevie Wonder. Donc celui-là, il est de 85. Il y a Part Time Lover. Il y a Part Time Lover dessus, oui, voilà. Par exemple, voilà. Stevie Wonder, bon, ça se prend. Hein. Là, c'est pareil, hein. J'aime beaucoup, on a un vinyle. Ah oui, on a un vinyle. De Etta James. Alors là, c'est l'album de Sticking to My Guns. Ah, c'est bien ça. C'est super, Etta James. Ouais. Alors ensuite, là, j'ai trois. Ah ouais. Il y a du lourd aussi. Là, il y a du lourd aussi. Il y a du alors, lourd. Alors, dont un qui vaut une fortune en vinyle. J'ai vu le prix, 180 euros, c'est hallucinant. C'est un James Brown. Voilà. In the Jungle Groove. Alors celui-là, quand je l'ai vu, tout de suite, je l'ai pris. J'ai pas hésité une seconde. C'est un album de 1986. Et voilà, les titres d'eau. Voilà, ça c'est géant. On l'a écouté celui-là, franchement, je vous le conseille vivement. Encore un James Bond. Oui, cela c'est le Live at the Apollo. Un peu plus vieux celui-ci. 68, oui, je vois pas bien avec lui. Vieux, là, je vois. Oui, 68. Voilà, avec Please dessus, par exemple. It's a man's world. Génial. Et le suivant, encore un James Brown. C'est James Brown. C'est Révolution. Alors, je vois pas bien. Ouais, Révolution of the Mind. Hop. Voilà. Superbe album de James Brown aussi. Et 71. Sex Machine, tout ça, 71. Voilà, hop. 3 CD de James. Bon. Voilà, tu suis. Voilà, alors ensuite, on a 5 CD du même artiste. Un petit lot là. Un petit lot, ouais, voilà. Alors là, un artiste qu'on aime beaucoup, que j'ai quelques vinyles, j'en ai deux, je crois. J'ai celui-là. Celui on va commencer, oui, voilà, on va commencer par avec celui-là. Le titre très connu. Winnie Lyne, je l'ai pris. Ouais, voilà.
Winnie Line, hein, c'est comme ça qu'on prononce, hein, ça me semble. Il n'y a pas beaucoup de titres, mais les titres. Oui, voilà, c'est les titres qui durent. Wine Light. Wine Light, ouais, voilà. Wine Light. Oui, voilà, c'est très très connu. Dedans, si, cet album-là, je vous le conseille en vinyle. Non, l'en vinyle. Hein, l'en vinyle, sûr, c'est sûr. C'est certain, ouais. Je viens de la pochette. Ouais. Ensuite, un autre album, donc c'est Grover Washington Jr., hein, j'ai oublié de le signaler, du jazz, un peu soul funk, vraiment exceptionnel ça. Là c'est pareil, c'est l'album qui s'appelle Come Morning. Come Morning. Voilà. On les a pas écoutés, hein, ceux-là. Non, pas tous. Non, j'en ai écouté qu'un, c'est le dernier. C'est de 81 cet album. Ensuite, l'album qui s'appelle The Best Is Yet to Come. Voilà. Ça, pareil, un Grover Washington Jr., toujours. C'est un album qui date, je vois pas bien l'année, parce que c'est écrit, là c'est marqué l'année. 82, ouais, voilà. Et là c'est un double album, c'est un album qui comporte deux albums, parce qu'il n'y a que quatre titres, mais les titres qui sont à rallonge, qui font à peu près une dizaine de minutes. Alors l'album que je recherche en priorité, c'est celui-là, c'est Mr. Magic, de Grover Washington Jr. Et l'album Feel So Good. Voilà, alors ça date de 75 et de 86 pour le deuxième. Voilà. Et le dernier, celui-là je l'ai écouté, excellent. C'est l'album Paradise qui date de 1979. Voilà, c'est excellent. Voilà. Grover Washington Jr. en CD, c'est pas très courant. Non, c'est pas courant. Jazz fusion, funk, c'est le mélange de tout ça. Jazz fusion, funk. Instrumental, bien sûr, mais bon, c'est super. Alors, on va passer aux acquisitions. On va passer aux acquisitions. Alors, on va commencer donc par les deux vinyles que Lino a choisi. Comme d'habitude, comme Lino. Comme d'habitude, hein, voilà. Alors, le premier, Lino. C'est un album. Je vais faire de la place. Un album d'une artiste très connue des années 80, Spagna. Spagna, avec son album, le premier album, je crois. Dedicated to the Moon. Ouais. C'est celui que je voulais en priorité, je veux le deuxième aussi. Le deuxième qui est très bien aussi, oui. Ouais. Alors, Ivana Spagna, hein, de son prénom, la chanteuse, auteure, compositrice, productrice et écrivaine italienne. Alors, cet album, c'est Dedicated to the Moon. C'est son premier album, il sort en 87. Alors, c'est son premier tube avec Easy Lady, hein, qui sort en single en 86. C'est un énorme succès. Dans toute l'Europe, il y en aura un autre de succès qui est Call Me et aussi le Dance, Dance, Dance. Le premier au hit parade, hein, dans toute l'Europe. Et son premier album sera un véritable succès, il faut le dire. Et les albums et les singles de Spagna, quand même, ils se sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde entier. Alors la chanteuse, elle est originaire de Vérone, hein, en Italie. C'est une icône dans ce pays-là. Et en 2006, elle reçoit quand même un disque d'or de la Fédération Italienne de l'Industrie de la Musique. Donc oui. Voilà, très populaire, hein, évidemment, en Italie, hein. Et on a les trois maxi qui sont tirés de l'album. Les singles, Lino, vous voulez voir. Voilà. Alors là, l'extrait, donc, c'est Lino, Easy Lady. Easy Lady. Voilà, premier titre donc, de la face B. Voilà, c'est parti. Et Lino va vous faire voir les maxi, donc le maxi de Call Me. Voilà, il y a un brocante celui-là. Brocante celui-là. Et de celui-là aussi. Voilà, Call Me. Le suivant, c'est Easy Lady. Easy Lady, là, que. Dance, 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 il vient de First Music Import. Oui, voilà, il nous avait été offert par First Music Import. Thank you.
87, Spagna. Oh, voilà, ça c'est typique AD80, ça, hein. Ouais. Super. Ça donne la pêche, ça. La pêche. Alors, ouais. Un deuxième, donc, pour Lino. Ouais. Oh, alors, le deuxième. Alors, ça, j'avais trouvé ça à Lino, à la brocante. Je l'avais pas payé cher, hein. J'avais payé, je crois que c'est 8 euros, mais il me l'avait fait à 7, je crois. C'est l'album Touch. Celui qui me manquait de Rhythmic. Ça, excellent album, ouais, de Rhythmic. Il me manquait. Après, le prochain, ce sera peut-être Be Yourself Tonight, le quatrième album. Ah, ça se complète bien, hein, pour les Eurythmics. Ouais, voilà, Eurythmics, c'est comment ça va, une petite collection. C'est alors, sympa, celui-ci, hein, c'est le troisième album, hein, du groupe Eurythmics. Il sort en fin d'année 83. À savoir que la même année, bah, sortira aussi le Sweet Dreams, hein, au début de l'année 83. Alors, cet album, il a atteint la première place des meilleures ventes d'albums au Royaume-Uni. Et il est septième du Billboard 200 aux USA. Alors, bien sûr, toutes les chansons sont écrites, composées par Dave Stewart et Annie Lennox. Il y a trois singles sur cet album, bien sûr, le Here Comes the Rain Again, on va mettre un extrait de celui-ci, le Right By Your Side et le Who's That Girl. Alors, en fait, bah, Eurythmics l'a proposé avec cet album, un album très soigné, qu'on peut assez légitimement considérer, bah, ce troisième album comme supérieur musicalement de son prédécesseur. Le succès fut encore plus important que leur précédent album, qui avait pourtant, bah, bien marché. Là, on peut dire que la carrière, bah, de Eurythmics, elle est lancée, elle est assurée, hein, avec cet album. Oui, voilà, troisième album. Déjà, avec l'album Sweet Dream, ils avaient cartonné. Sweet Dreams, et celui-là, hein, c'était la consécration, on va dire. La consécration, bah voilà. Donc, bah, voilà. Touch, sorti la même année que donc, le fameux Sweet Dreams. Sweet Dreams, hein, comme je disais. Hein. Alors là, on va mettre l'extrait, Lino. Here Comes the Rain Again. Voilà. Très connu et puis très bon. Connu. Surtout, c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est le premier. Et... ça sonne très bien. On est en 47 tours qui n'est pas en super bêta, enfin la pochette du moins. Le dissipant, ça. Ah oui, oui. Ça... voilà. Album Touch. Très bon album. J'adore ce titre de Rhythmic. Carton, ça. C'est 45 tours, Lino. Album, superbe album, hein. Je vous conseille celui-là, franchement, moi je l'aime beaucoup. Il y a le titre Who's That Girl, ne pas confondre avec le titre de Madonna, forcément. Et ben voilà. oui, voilà, Regret, The First Cut, très bon aussi. Oh. Écoutez, je comprends que ça ait fait un carton, hein, cet album. Oui, il est excellent. Très très bien. Il me manque le premier album aussi de Rhythmics. Oui, bah t'en as pas mal déjà, maintenant, ouais, ça va venir. Ça va venir. Voilà, alors là, je vais laisser Carole le présenter. C'est un album qu'on a eu pendant. Ça date un petit peu. Qu'on ça a date, hein, cet album. Hein. Ça fait un moment qu'on l'a aussi. On l'a eu pendant les soldes de la FNAC d'hiver. Hein. Voilà, dans les premiers jours, je crois que c'est que. Bah, il me semble, hein, on n'avait pas hésité. Hein. C'est Welcome to America, vous savez, le nom de la tournée de Prince. Hein, il était en tournée entre 2010 et 2011, hein, pour cette tournée-là. Mais il ne sortira pas l'album. Ça sortira juste 11 ans plus tard, en 2021, le 30 juillet 2021. Alors bien évidemment, on a 12 titres issus du coffre, hein, comme vous savez. Il a été enregistré à Paisley Park, à Minneapolis, donc il est chez lui. Enregistré, arrangé, produit par Prince lui-même.
avec des styles complètement différents les uns des autres. Hein. 12 titres issus du coffre, encore je le répète, magnifique. La soul, de la funk, du R&B, de la pop, du rock, etc., etc. Alors bien évidemment, ils ne s'entourent pas de n'importe qui. Il y aura le batteur Chris Coleman et aussi des chœurs 100% féminins avec Chubby Johnson qu'on adore. On a eu la chance aussi de voir en concert au Stade de France avec sa voix soul extrêmement puissante, formidable chanteuse. Que dire de cet album, ce n'est que c'est un pur régal. Et puis pendant des années, des décennies, je pense qu'on va se régaler avec les titres là issus du coffre, des inédits encore une fois. Alors je ne sais pas pourquoi Prince n'a pas sorti tout de suite ces titres. Alors c'est vrai qu'il était en tournée, peut-être qu'il avait d'autres projets. Et c'est vrai que l'album, il avait quand même, je me suis renseignée, des titres à caractère politique, vraiment politique. Savoir qu'il avait quand même un regard sur les hommes politiques un peu austère, un peu hostile. Prince, une vision pas très positive hein, sur les hommes politiques qui gouvernaient son pays. Alors voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Alors il y a bien sûr une magnifique ballade qui est le She Come Here, et il y a aussi le Hot Summer où ça décolle un petit peu. Vraiment les morceaux les uns les autres, aller les redécouvrir. Alors Lino, tu vas présenter comment ça se présente. Alors déjà la pochette. Oui, bah voilà. Avec la pochette déjà pour commencer. Hein, voilà, comment ça se présente. Magnifique, hein, super pochette. Le dos de la pochette, avec les titres. Lino, le gatefold, avant de présenter les vinyles. Alors un super gatefold où ressort des propos de Prince, hein, par lui-même, juillet, juin 2010. Alors, j'ai pas compris la signification du texte, mais il ressort quand même Black Music, Black Culture, en noir, auquel le Prince, bien évidemment, était très très attaché. Voilà. Alors, le CD, ça sera pareil, hein, la même présentation, avec un petit livret. Alors là, je peux te laisser montrer les vinyles. Donc, on a trois faces, hein, quatre titres par face. Deuxième disque. Moyenne. Alors, le deuxième vinyle, il se présente avec Welcome to America, comme on peut voir. Hein. Et puis, peut-être un message de Prince aussi. Il nous pose une question, j'ai pas pu savoir. Ouais, c'est sérigraphié. Hein. Il n'y a que trois faces. Hein, alors, il y a la silhouette de Prince aussi. Je sais pas si vous pouvez bien la visualiser. On voit sa silhouette transparente, ouais. Magnifique, avec le macaron comme la pochette. Voilà. Voilà, donc trois faces. Ce pochette aussi, des très très belles photos de lui. Bon, le dos aussi, tu peux montrer, hein, ça vaut le coup. Hein. Voilà, hein. Super, hein. Magnifique. Hein. Voilà. Voilà. Donc à découvrir, donc il est sorti donc le 30 juillet 2021. Voilà, ouais. Qu'on avait été le voir au Stade de France, il avait exactement le même look. Il avait, c'est l'époque, oui, des bottes fourrées, là. Elles étaient blanches sur le Stade de France. Avec jaune et un gilet blanche à plumes. Je me souviens très très bien. Donc super pochette, donc j'ai le CD aussi, bien évidemment, comme je vous disais, ça se présente de la même façon, avec un petit livret à l'intérieur. Voilà, Welcome donc to America, je suis bien contente de l'avoir cette année. Voilà, on le rangera tout à l'heure, oui. David. Hein. Voilà, bon. Oui, donc pas d'extrait, donc pas d'extrait, ça je me suis un petit peu étalée pour présenter cet album, voilà. Forcément, Prince, pas d'extrait. Il n'y aura jamais d'extrait, malheureusement. Du moins, pas pour l'instant. Alors, ensuite... Ensuite, c'est un album de Jackson. Alors là, c'est un super album qu'on avait. Dans la même lignée que Destiny. Hein, oui, voilà, on avait album, le petit CD déjà. Le dire aussi, hein. Triomphe en CD. Oui, voilà aussi. Hein. Et là, on a donc rentré en vinyle. Voilà, on l'a rentré en vinyle celui-ci. Donc là, super content d'avoir cet album de Jackson. Bon, voilà, ah, c'est pareil. Oui. Hein, on n'est jamais déçu, là. On n'est pas déçu. Franchement. Ah, le Can You Feel It, hein, Can You Feel It, par exemple, déjà. Alors, donc, c'est le quatrième album du groupe, hein, The Jackson. Il sort chez Epic Records, hein, donc en 1980, tout juste. Hein. Et un peu après, donc, sa sortie, l'album, il atteint quand même la première place des charts américains. Alors, cet album, comme je disais, dans la même lignée que Destiny, hein, les singles sont au top. Hein, il y en a quatre qui figurent sur cet album. Alors, Michael Jackson, il est au four et au moulin. Il a, à cette époque-là, 21 ans. La même année, quand il avait 21 ans, il nous sortira aussi quand même Off the Wall, hein. Alors, il impacte donc tout son enthousiasme à la fratrie Jackson pour hisser le niveau encore plus haut. Ouais. Alors, il est porté notamment par, comme je disais, hein, le Can You Feel It, qu'on a en 45 tours, le single le plus connu de l'album, et les Brothers Jackson, bah, ils sont au sommet, avec 2 millions d'unités qui s'écoulent tout de même dans le monde. C'est énorme, bah, c'est une merveille cet album. Hein. Ouais, il n'y a pas que ça, il y a aussi le titre Why Right Now, il y a aussi Everybody dessus, qui est vraiment très très bon. Ça sonne bien aussi, ouais. Ça. Hein. Et je crois que t'as le maxi aussi. Ouais. On va pas voir déjà le maxi de Why Right Now qui a été offert par ENG. ENG, voilà. Par ENG. Ouais, voilà. Ça, c'est le maxi de. Maxi White 45 White tours. No. Et le petit 45 tours. De Can You Feel It. Avec le super clip, là. Il est pas en très bon état, celui-là. Mais... Non, pas bien méchant. Bon. Hein. Un peu.
Bon, si on le retrouve, on le reprendra. Hein. Ouais. Meilleure pochette. Hein. On va vous mettre donc Can You Feel It. Hein, pour... Alors donc, pour rappeler des souvenirs, hein, Can You Feel It. Incontournable. Incontournable de... Jackson. C'est Jackson qui était sorti juste après Off the Wall. Hein, Off the Wall 79, Off the Wall, là 80. Jackson triomphe 1980. C'était pas clair, Michael Jackson était quand même productif aussi. Hein, très productif, ouais, ouais. Entre sa carrière qui commençait. 21 ans en plus, ouais. Je vois ça. Oh, solo, ouais. Avec ses frères, tout ça. C'était quelque chose. Hein, ça. Ouais. Alors là, on va passer à du reggae. Un petit album reggae, ça peut pas faire de mal. Donc, c'est un petit album de Jimmy Cliff. Un petit album de Jimmy Cliff. Voilà. The Power and the Glory. And the Glory, qui est le 1e album, parce qu'il en a fait pas mal. Oui, hein, il en a fait pas mal. Hein. Alors, il sort en 83, cet album. Alors, avec cet album, Jimmy Cliff, il rentre quand même dans un reggae très commercial. Alors, il faut le dire quand même un petit peu moins bon que celui des années 70. Oui, avec c'est pas son, mon préféré de Jimmy Cliff. Hein, le son reggae roots. C'est clair. Hein. Voilà. Alors, donc, on a quand même sur cet album deux grands titres très connus, We All Are One et le fameux Reggae Night, hein, que tout le monde connaît. Bon, bah, bien sûr. Alors, la face A, elle est très bonne, hein, excellente. Et alors, une face B, un petit peu moins. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Donc, très mitigé sur cet album. Oui, un reggae, comme on disait, bah, trop loin de ses origines jamaïcaines, hein, Jimmy Cliff. Mais toutefois, cet album, il a quand même très bien marché. Hein. Ah oui, cet album, il a cartonné au niveau des ventes, au niveau de... tout le monde a aimé cet album. Mais moi, je reste plus dans le Jimmy Cliff des années début 72, The Harder They Come... quelques albums qu'il a fait dans le début des années 70, c'est vraiment excellent. Et là, The Power and the Glory, vous avez le fameux Reggae Night. Reggae Night. Le fameux Reggae Night. C'est là, en plus, on met un extrait de Reggae Night, il me semble. Non, c'est We All Are One. We All Are One. All Are One, qui est ce 45 tours-là. D'accord. Voilà, ça reste très bon. Hein. Un peu trop. Années 80 pour moi, du reggae. Années 80, voilà. Pas du reggae pur. Non. Oui, All Are One. Alors, donc, celui-ci, c'est le... Alors, le premier. Le premier titre de, de l'album. C'est un pressage hollandais. Hein. C'est une sonne brocante. Hein, pour 8 euros, je crois que je l'ai eu, celui-là. Voilà, j'ai oublié de vous signaler... We all are one. We all the same person.
On the Glory. Bon, c'est très bon, hein. Je suis un peu sévère, mais... Le pouvoir et la gloire. Voilà, je suis un peu sévère, mais ça reste un très bon album de Jimmy Cliff. Hein. Ah bah oui. Bon, on n'a pas dit qu'il était pas bon. Hein. Non, mais il sonne un peu trop années 80 pour moi, pour du reggae, hein. Je perds bien sûr. Hein. Mais bon. Je crois que le message est bien passé, David. Non, mais j'aime beaucoup quand même Jimmy Cliff. Alors là, on va passer... Alors là, ah ça bah c'est, là, un, là, alors c'est là, un improbable celui-ci. Alors là, ça c'est dans les improbables. Dans un improbable. On l'a trouvé sur une brocante aussi dans un bac, 1 euro dans un bac. Il était scellé en plus. C'est l'album de AC Black. Vous allez comprendre le AC pourquoi ? Bah, les initiales, Alvin et Calvin, les frères jumeaux. C'est des frères qui jumeaux. Le groupe, qui forment le groupe. Tout simplement. Alors, c'est un album, donc, un groupe, AC Black, là. Un groupe de soul funk américain. Comme je disais, donc formé par les jumeaux, là. Il date de 85. Alors, les jumeaux, je répète, c'est Alvin et Calvin, hein, les initiales. Et en 89, ils vont publier leur unique album sur le label Motown Records. Alors, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, à l'écoute de cet album, ça a été un échec commercial. Alors, le groupe va donc se dissoudre. Voilà, et on pourtant, il y a quand même après, voilà. Un côté très princien à l'écoute de cet album. Alors, bien évidemment, le single, là, je ne l'ai pas dit, Funky Situation va quand même être publié. Oui, voilà, c'est le premier de l'album. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais bon, ça sonne très bien. Ça, moi, j'ai adoré cet album. Hein. On a trouvé vraiment quelque chose de Prince. Hein, de et Prince, puis, franchement, c'est très bon. On va vous mettre un petit extrait. Funky Situation. Mais bon, ça n'a pas marché. Après, ça n'a pas marché. Le groupe s'est dissous et. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, on va vous faire découvrir un peu Funky Situation. Pas, voilà. Le Funky Situation. Voilà. Assez Black. Donc sorti, comme le Carole l'a dit, en 89. Voilà. Trouvé sur une brocante, un CD, 1 euro. Bon, je l'ai pris tout de suite, j'ai vu que c'était la Motone. 'Assez Bref', mais bon. Un improbable. Improbable. 1989, voilà. Leur unique album. Alors là, on va parler d'un album qui est pour moi... Dans la New Wave. On est un peu dans la New Wave, oui, c'est vrai, mais... Change de cap, là. C'est un très bon album. C'est un excellent album, même. C'est l'album éponyme de The Cards. Je te laisse développer. Bah, parce que je vais développer un petit peu. Album. Je vais développer sur le groupe The Cards, qui est un groupe de New Wave américain. Alors, album éponyme, tu l'as dit, premier album, et il sort en juin 78, cet album. Alors, ce groupe, donc, ils apparaissent à l'aube de la New Wave avec leur premier album. Donc, ils créent un chef-d'œuvre pop aux allures de New Wave. Alors, il y a un super mélange là, à la David Bowie et à la Velvet Underground. Oui, c'est un mélange de plein de, voilà. De sons qui arrivent. Voilà, alors véritable chef-d'œuvre, le groupe l'a qualifié en plaisantant de véritable album
des plus grands succès. Alors, mais ce n'est pas exagéré parce qu'il y a quand même 9 titres qui sont des classiques de la New Wave hein, dans cet album. Alors, contenant bien évidemment le Just What I Needed, hein, qui est le point culminant de l'album. C'est une des chansons New Wave les plus populaires de tous les temps. Il y aura aussi beaucoup d'autres titres hein, de l'album qui sont quand même des succès, qui paraissaient en boucle hein, sur les radios américaines à l'époque, comme le Good Time Roll, My Best Friend Girl et You Are All I Have Got Tonight. Alors cet album, il fait quand même partie des 500 meilleurs albums de tous les temps. Oui. Selon le Rolling Stone Magazine, on le classe en 2020 à la 353e position. Alors c'est une belle introduction à la New Wave. Même 45 ans plus tard, bah, cet album, il est quand même un très grand album. Voilà, on était au début de la New Wave. Hein, et, enfin, c'était un peu des précurseurs. Hein. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on va vous passer, il y a une connotation David Bowie. Oui, oui, vous allez voir, c'est ça beaucoup de mélange qui arrive à la New Wave. Ouais. Et cet album-là, ce groupe était connu pour ce titre-là. Tout le monde connaît le titre Drive de The Car, qui est sorti beaucoup plus tard. 45 tours, là. Voilà, qui est sorti en 84, voilà, beaucoup plus tard. Mais sur cet album-là, donc leur premier album en 78. Belle réussite. À l'époque, c'était révolutionnaire, parce que bon, c'est le son New Wave qui arrivait. Qui arrive, hein, qui se propage, hein, tout simplement. Et cet album-là est vraiment excellent du début à la fin. Il n'y a là, pas de. On va mettre le titre Just What I Needed. Ouais, c'est le troisième titre, donc de la face. Le troisième. De la face. Ah. Ah. Troisième titre. Voilà, je vais mettre la sous-pochette avec. Voilà. Les membres du groupe aussi, sur la photo. Voilà. Et donc, fameuse pochette. Partie des 500 meilleurs albums de tous les temps. Au classement de 2020. Ça déménage. The Cars, album éponyme de 1978. En plus, j'ai eu la chance de trouver à Emmaüs pour 1 euro et de plus, c'est un pressage américain. Comme ça. Que demande le peuple. Voilà. Donc voilà, c'est super. Je vous conseille à hein, tous les amateurs de New Wave qui ne connaissent pas cet album, foncez, là, direct. Vous ne serez pas déçus. Voilà, The Cars. Excellent. Alors là, on va passer à. Non, il y en a encore trois. J'allais dire l'avant-dernier, mais non, encore non, trois. Non, encore trois. Encore, alors là, j'ai un grand merci à ENG que c'est grâce à lui que j'ai pu acheter cet album. Merci beaucoup à ENG. Ouais, voilà. Alors celui-là, je le recherchais dans mes priorités. C'est l'album de Clapton. Le moi, je l'avais en CD aussi. Alors, oui. J'ai beaucoup écouté celui-ci, hein, ce Unplugged de Clapton. Il sort en 92. Hein. Alors, c'est un album live du guitariste, compositeur, chanteur de rock blues, là, britannique, hein, qui est Eric Clapton. Alors, cet album, il a été enregistré en public dans les studios de Londres hein, pour la série d'émissions MTV Unplugged. Alors, avec cet album, hein, Clapton a remporté quand même 3 Grammy Awards. Alors, l'album de l'année, ensuite meilleure chanson rock et ensuite meilleur chanteur pop. Ben, c'est pas rien, hein, quand même. Alors, cet album, il a été aussi premier au Billboard en 92. Et devint aussi la meilleure vente d'Eric Clapton. Alors, il reprend plusieurs classiques, hein,
blues de ses maîtres et chansons préférées comme le Tears in Heaven, écrite pour son fils Connor, qui est décédé l'année précédente. Mais il y aura aussi le Layla, qui est en version acoustique, c'est magnifique. On va vous mettre un extrait d'ailleurs. Voilà, devient un hit mondial 22 ans après sa création. Alors l'album, il s'est quand même vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Il reste un des albums quand même live les plus vendus. Oui, voilà, un gros carton de Clapton. Je crois que c'est l'album de Clapton tout simplement qui est le plus vendu. Dans la carrière, dans sa carrière, d'Eric Clapton tout simplement. Voilà. Donc là, double album, Gatefold, magnifique. Magnifique Gatefold, tout est magnifique. Vraiment l'émotion là, qui passe avec l'extrait qu'on va vous mettre aussi. Cet là. Album est vraiment magnifique. Et on va vous mettre donc Layla, c'est le deuxième, voilà, le troisième titre. Troisième. Layla. Troisième titre donc de la face B du premier vinyle, c'est un double album bien sûr. Super ça, Lyon. Hein, tu veux tenir un peu? Get full. Dans cet album, c'est magnifique. Moi j'ai adoré. On connaissait, on l'avait. Il y a des lives comme ça qui n'oublient pas. On l'avait en CD, on l'a jamais retrouvé le CD, mais celui-ci, je crois qu'il fait partie des lives qu'on préfère. Oui. S'il y avait à classer, voilà. Ah ouais, Clapton, Unplugged, excellent. Merci MJ encore, grâce à lui. Ensuite, alors ça, c'est un album de David Bowie. Alors, un grand coucou, moi je voudrais faire sa Vinyl Ludo. Oui. Ça va lui faire plaisir aussi. Ouais, ça va lui faire plaisir. Et ben, j'ai trouvé un album de David Bowie sur une brocante. Ça, c'est récent, ça. C'est Station to Station. Alors, cet album-là, monsieur le faisait à 15 euros, mais il me l'a laissé pour 13 euros. quelques petites, mais bon, pas méchant. Hein. Bon, c'est un album couleur blanche, généralement. Là. Le blanc, c'est un petit peu, ça passe un petit peu. Mais au niveau du vinyle, impeccable. Hein. Alors, j'ai développé sur Station to Station, qui est le 10e album studio de David Bowie. Il sort en 1976. Alors, cet album, il a été enregistré quand même durant une période difficile pour le chanteur, il faut le dire. Oui. Exilé à Los Angeles, il est plongé dans une paranoïa alimentée par son addiction à la cocaïne. Alors, il dira même qu'il ne se souviendra pas des conditions d'enregistrement de l'album, tellement que son état mental était dégradé. Alors, Station to Station, il est considéré comme l'album de transition de sa carrière, laissant derrière lui le personnage de Ziggy Stardust, et juste avant, sa trilogie berlinoise. Alors, c'est un album quand même aux sonorités soul, mais aussi beaucoup de synthétiseurs, qui vont faire penser au groupe allemand la Kraftwerk, il y a quand même des petites sonorités comme ça. Quand même, Et à sa sortie, il se classe donc dans les 5 meilleures ventes au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors, la critique lui est très favorable, il sera quand même considéré par la suite comme l'un des meilleurs albums dans la discographie du chanteur. Et il fait partie des 500 meilleurs albums de tous les temps, encore une fois. Je cite le Rolling Stone Magazine. En 2020, il est à la 52e position.
Oui, un Voilà. album majeur pour Bowie. Hein. Et d'ailleurs, il était dans nos favoris, parce qu'on a une petite liste qu'on fait sur David Bowie, Oui. et il était en haut de la liste, on va dire comme ça. Et on est bien content de l'avoir trouvé. En plus, sur une brocante, pas très cher, voilà, 13 euros. Bon, pour un Bowie, ça reste très très correct. Alors là, c'est l'extrait TVC 50, je crois. Ouais, c'est ça. Qui C'est est ça. Le de premier de mémoire. la phase B, tout simplement. Alors, vous avez six titres, hein, mais des titres assez longs. Alors, je le mets au dos. Voilà. Mais je sais que neuf, il vaut entre. À la Fnac, je l'avais déjà vu neuf, je voulais le prendre une fois, entre 30 et 40 euros, facile. Hein. Mais là. Station to Station, excellent album. C'est tout bon de David Bowie. Hein. Je disais, grand coucou à Ludo. La collection de Bowie, elle commence à petit à petit. Fur et à mesure. Voilà, là j'étais content de le trouver sur une brocante parce que je sais qu'il, comme je le disais à la Fnac en réédition 9, Ah oui. c'est entre 30 et 40, on l'avait vu, on On voulait le avait déjà prendre vu une plusieurs fois fois, hein, mais bon, on l'avait et pas puis on pris. l'a pas pris. On se disait, on va attendre un On petit va peu. attendre un peu, mais j'ai bien Et ben fait. voilà quoi. J'ai bien fait. Alors là, on va passer à une BO pour terminer. Un grand classique. Alors là, une BO, oui. Pour Alors une clôturer la BO. vidéo. Une BO, vous ferez, il y a un petit 45 tours, cette BO. Alors, c'est la petite histoire, cette BO, parce qu'on l'a pas mal négociée. C'est marrant, parce qu'on avait passé du temps chez le vendeur. Parce que On moi, s'est j'avais. pas décidé tout de On ne suite. s'est pas décidé tout de suite, parce qu'au début, la première fois que je l'ai vu, il la faisait à 30 euros. Et bon, 30 euros, ça faisait cher. Je pense que ça faisait cher, mais finalement. Vu le prix qu'elle vaut vraiment, c'était pas si cher que ça. Mais moi j'avais dit au début, j'ai dit, bon, après il a descendu à 20. Et puis moi j'ai dit à 15, je la prends. Et on a négocié sur 18. Hein. Oui, voilà, Ouais, 18, on est tombé d'accord sur 18. Pour, parce qu'il manque le poster géant à l'intérieur. le fameux poster, Voilà, voilà. donc c'est la BO de Star Wars. Hein. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles, bande originale composée et dirigée par John Williams. Interprété par le London Symphony Orchestra. Voilà, vous avez. Voilà, super, c'est un gatefold. Vous avez deux vinyles à l'intérieur. Tu veux Avec mettre les images du film? les images du film, voilà. Super. Et là, on est bien content de l'avoir trouvé parce qu'elle est vraiment. On l'a écouté. C'est top, hein. C'est top, J'adore, hein. hein. C'est vraiment. Oh. On s'ennuie pas en écoutant ça, Ah hein. non, Pas non, du tout, hein. c'est. Et on avait le petit Non, non. 45 tours là, de la guerre des Ouais. étoiles qu'on vous avait fait Ah bah montrer oui. sur une. Ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Petit 45 Et tours. là, aussi, la face A et la face 4, enfin 1 et 4, ce sont le même vinyle. Après, il y a 2 et 3. Je me suis fait avoir, c'est pour ça. Moi aussi, je me suis fait. Bah, je me j'ai été suis fait avoir. surprise, tout simplement. Alors là, Voilà. c'est The Throne Room and End Title. On met pas l'ouverture. Non, parce Trop qu'on l'a déjà classique. mis Voilà. en petit extrait. Donc là, c'est bah, phase Le 4-2, dernier mais bon, morceau. on s'entend bien, c'est pas. Oui. Voilà. Et on clôture là-dessus. Voilà, Star Wars, la guerre des étoiles. Ça, magnifique.
Voilà, je suis bien content, enfin on est bien content d'avoir la BO de John Williams là, de Star Wars. Voilà. Sans le poster, mais... Bah le poster, à mon avis, il a déjà dû être accroché. Oui, il a dû être accroché dans les chambres, voilà. C'est pas la même de penser au poster. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, hein, mais bon, on vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. On est bien content de vous avoir présenté nos dernières trouvailles, que ce soit de brocantes, mais aussi des acquisitions. On vous souhaite un très très bon week-end avec le soleil. Portez-vous bien, écoutez de la bonne musique, prenez soin de vous et on vous remercie beaucoup les amis. À bientôt, à très bientôt les amis. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir.